cherche encore. C'est tout simplement pour dire, Ali Bongo et amis et complices, que le peuple gabonais ne veut pas de ce dialogue du sang. Voilà. Nous ne voulons pas dialoguer avec l'assassin de nos fils. Nous ne voulons pas dialoguer avec l'assassin de nos fils. Cette cause que nous menons, il n'est plus le parti, il n'est plus le projet politique. C'est ça la vérité. Vous en avez marre des étrangers en France. Mais les gens, enlevez vos valets, enlevez vos percepteurs d'impôts, dictateurs que vous mettez en place. Nous n'avons pas besoin de dictateurs. Pourquoi est-ce que l'Afrique francophone? Pourquoi l'Afrique francophone? Mais il n'y a que des dictateurs. On vous sert une soupe de l'OIF, Organisation internationale. L'Organisation internationale de la France. Cette organisation n'est qu'un repère de brigands. Qu'en voyez-vous? Cette organisation sert simplement à capter les richesses des pays africains. Nous ne sommes pas dupes. Nous voulons rentrer chez nous pour développer notre pays. Nous en avons assez d'être en France. Nous ne sommes pas nés en France. On veut repartir chez nous. Mais comment repartir chez nous lorsque on met des fouilleurs, on met des voleurs pour nos pays? Et comme par hasard, c'est que les pays sont passés, les anciennes colonies françaises qui bénéficient de tout ça. Amen.
Le gouvernement de M. Hollande qui va partir. Nous faisons la différence entre les Français et ceux qui les gouvernent. Car voyez-vous, et c'est pour ça que nous disons aux Français, réveillez-vous. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Lorsqu'un dirigeant est pris la main dans le sac, si nous votons pour lui, quelque part, notre probité et notre moralité est bien basse. Nous avons voté pour Champigny, ici. Nous demandons à la France de respecter le choix des Gabonais. La France n'est pas l'arrière-cour de la... Le Gabon n'est pas l'arrière-cour de la France. Le Gabon n'est pas l'arrière-cour de la Banque de France. Si les dirigeants français sont incompétents, je le dis. Car voyez-vous, lorsqu'on laisse tomber l'industrie française, au détriment des services, on est incompétent ou on est un fou. On est un fou, pourquoi? Parce que regardez l'Allemagne. L'Allemagne vend des machines en Chine. La France, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. C'est une honte, et parce qu'ils ont été incompétents, ils ont échoué, ils veulent faire payer les Gabonais en payant, en mettant des valets, des percepteurs d'impôts, à commencer par Ali Bongo, qui a été mis en place par Sarkozy. Il est où Sarkozy aujourd'hui? Il est en bas. Il nous a dit, repartez dans votre pays, il est où? Il est où Manuel Valls aujourd'hui? Il est en bas. Ils nous ont dit, repartez, il est où? Donc, on ne lâchera rien, ça fait plus de 30 semaines, 34 pour certains, 31, mais en tout cas, plus de 200 jours, on ne lâchera rien. Il y a eu plus de 200 morts, plus de 700 disparus, et ça devant la barbe de l'armée française. Nous avons le privilège et le malheur d'avoir des bases militaires au Gabon. Pourquoi? Nous ne sommes pas en guerre. Nous avons là 15 000 Français au Gabon. 15 000, c'est pas... Je suis même pas sûr qu'il y ait 15 000 Gabonais en France. 15 000 Français au Gabon. Ils envoient leurs enfants dans les écoles. Le dimanche, ils se donnent la pilule au soleil en sirotant un cocktail. Voyez-vous, ces gens n'ont pas de probité. Ils travaillent pour les criminels. Et quand, si je devais travailler, si je travaille pour un patron, et si je me rends compte que mon patron est un criminel, je change de diable. Les criminels sont Bonnaré, Eramet, Total, Areva. Oui, l'électricité pas chère. Nous payons les conséquences de cette électricité pas chère. Les mines d'uranium tuent les gens au Gabon.
La France n'en a rien à cirer. Seulement, lorsqu'un employé, la famille d'un employé meurt et porte plainte contre son employeur, c'est là qu'on se rend compte que ces gens ont été exposés. On nous parle de normes, mais ceux qui parlent de normes, qui invoquent les normes, ne respectent pas ces mêmes normes dans le pays. C'est pour ça que nous disons, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit au Gabon. 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 Copie notre pays sans contrepartie. Équipe 1. Équipe 1. Avancez, on va occuper tout l'espace. Il faut bloquer le carrefour et on va chanter notre hymne encore. Voilà. On a marché pendant l'hiver. Si on a pu marcher pendant l'hiver, c'est pas pendant les bons jours qu'on va lâcher. Et nous disons aux futurs candidats, beaucoup de Gabonais ont la double nationalité, beaucoup d'Africains ont la double nationalité, et ces gens-là ne sont jamais sondés. Croyez-moi, si vous ne saisissez pas, il est question de dictature en Afrique. Croyez-moi, si vous ne dénoncez pas ça, nous allons voter pour ceux ou celles que vous ne pensez pas. Amen. On a voté pour torpiller ce système. Car voyez-vous, on ne peut pas accepter l'inacceptable. L'Afrique a droit aussi à rêver. Nous avons droit de rêver. Nous avons droit de profiter de nos richesses. Avancez encore, avancez encore. Prenez l'espace. Équipe 1. Équipe 1. On va chanter notre hymne. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pour chassons à jamais l'injustice et la honte qui monte, monte encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Ouh, on va gagner. On va rentrer chez nous. Nous disons non au dialogue du sang. Ali Bongo a tué nos enfants lâchement et il ose organiser un dialogue où il invite les Gabonais à aller manger n'importe quoi, à aller boire, alors qu'il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas d'hôpitaux. Nous disons non au dialogue du sang. Non au dialogue du sang. Non au dialogue du sang. Libérez le Gabon. Libérez le Gabon. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. Libérer le Gabon, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon.
soldats pour libérer les Gabons. Un message, maman. Hein? Un message. Il faut que ça change. On en a marre. On ne peut pas être esclave jusqu'à la fin des temps. Moi, je suis né avant 1960. Mais je n'ai jamais connu une autre personne. J'ai été majorette du centre de Bongo. À Thierry Léon, bah, ici, ils étaient à Pont-Yanti, c'est la première indépendance qu'il a. Il a patronné le Gabon. Il a fait la première indépendance en 67 ou 68, si je me trompe, j'étais majorée. Et je suis fatiguée, aujourd'hui je ne peux pas faire. Donc il faut que ça change. Pour nos enfants aussi, et nos générations aussi. Voilà. Parce qu'il n'y a que eux pour manger l'argent du Gabon. On ne peut être esclaves. Ils sont allés prendre les gens de l'Afrique de l'Ouest partout. Pour vraiment puiser des milliards, c'est pas des millions. Mais on ne peut plus supporter ça. Il vaut mieux mourir. Il vaut mieux mourir. On en a marre. On ne va pas mourir, la vie est belle. Non, il vaut mieux mourir. On se manifeste pour mourir. Hein, c'est mourir ou la partie. Voilà. La mort ou la partie. Voilà. Il faut que vraiment ça change. Voilà. Hein? Moi, je suis bien, je n'ai jamais connu une personne qui a beaucoup. Il va prendre le diable pour venir encore nous commander. Et au lieu que eux aussi, hein, ils peuvent faire quelque chose qui pourra quand même changer pour qu'on dise que bon, on va encore faire comment, on a des rues, on a des autoroutes, voilà. On a des trams, on a des trains, oh, ils ont bien travaillé. Là on allait encore nous taire. Mais non, manger comme ça pour nous, on nous dit que nous, c'est nous qui devons être malheureux toute la vie. Voilà. Pour libérer le Gabon, libérer le Gabon, l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon, libérer le Gabon, l'heure a sonné. On fait comme ça. Hein? Souvent c'est ici. C'est ici. Aka. Bim. Donc on peut là plus rien. Comme un soldat. Pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat. Libérez le Gabon, libérez le Gabon, nous devons nous lever, nous devons nous lever, comme un soldat, pour libérer le Gabon, libérez le Gabon, l'heure a sonné. Soldats, pour libérer le Gabon, 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 pour libérer le Gabon, libérer le Gabon, l'heure a sonné, nous devons nous lever, nous sommes debout, nous disons non au dialogue. Nous sommes là et nous disons non au dialogue. Libérez le Gabon. Tous les sorciers, les assassins, les menteurs, les voleurs. Libérez le Gabon.
Le peuple gabonais a fait un choix noble. Il a voté pour Jean-Ping. Ne nous imposez pas Ali Bongo. Nous n'avons jamais voté Ali Bongo. Il a tué nos enfants lâchement au QG de Jean-Ping. Il a emprisonné nos frères. Et nous disons non au dialogue du sang. Nous disons non au dialogue du sang. Nous disons non au dialogue du sang. Ali Bongo a tué nos frères. Zibi encore emprisonné, pourquoi? Landry encore emprisonné, pourquoi? Et il impose un dialogue. Est-ce que c'est lui qui a remporté le scrutin du 27 août? Non. Et il y en a qui sont quand même partis à ce dialogue. Est-ce qu'il y a vraiment un problème au Gabon? Le seul problème, c'est le système Bongo qui a venu le peuple gabonais. Nos enfants s'asseyent à même le sol quand ils vont à l'école. Et nous-mêmes, les femmes, nous allons accoucher à même le sol. C'est quoi cette histoire? Ils ont coupé les salaires aux enseignants. Ils ne font rien. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir dissoudre la CNESICET. Alors, donc il n'y a pas de liberté d'expression au Gabon, ni de liberté syndicale, aucune liberté sociale au Gabon. Nous disons non, non au dialogue du sang. Nous disons non au dialogue du sang. Nous n'allons pas lâcher le dialogue que vous êtes allez faire là. Il accouchera d'une souris, il n'y aura rien. Rien ne va changer. Ce n'est pas les institutions en tant que telles qui ont des problèmes. Aka, c'est comment? C'est qu'il y a un problème. C'est celui qui gère nos institutions. Tout le monde sait que la justice est aux ordres d'Ali. Tout le monde sait que c'est la famille Bongo qui gère le Gabon comme il veut. Alors vous êtes allé faire quoi au dialogue? Qu'est-ce qui va changer? C'est lui qui doit partir. Comment vous allez vous asseoir et discuter avec quelqu'un qui a perdu les élections brillamment, vous aussi? Même quand on veut changer les choses, on ne peut pas casser des œufs, on ne peut pas faire une noblesse sans casser des œufs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'asseoir avec un assassin. C'est pas possible. Ali Bongo est un assassin. Ali Bongo est un assassin. Ali Bongo est un assassin. Ça n'a pas encore séché. Ça n'a pas encore séché. Ça n'a pas encore bien séché. On va recommencer à dormir. Les gars, commando. Commando. Les gars, au commando. Équipe, équipe. Oh, Gabon et commando. Lile, 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 lile. Commando. Lile, 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 lile. Oh, Gabon et commando. A Gabon et Menganjala, ouais. Oh, oh, Gabon et commando. A Gabon et Menganjala, ouais. Oh, oh, Gabon et oh, Gabon et pas de dialogue. Pas de dialogue, doucement. Pas de dialogue, doucement. Non, 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 pas de dialogue. Non, 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 pas de dialogue.
prend l'ambassade. On lui prend l'ambassade. Voilà, c'est l'ambassade du Gabon à Paris. Ça me râle lac. Ouais. Et les résistants sont là. Les résistants sont là. Ceux-là qui revendiquent la vérité des urnes du 27 août 2016. Nous disons aujourd'hui, pas de dialogue avec l'assassin. Pas de dialogue. Pas de dialogue avec Ali Bongo. Pas de dialogue avec le dictateur. Avec le fumeur de sang. Sassou, Ali Bongo. Et tout le reste. Santos, Kabila, Mandichafou. Laissez le peuple tranquille. C'est lui qui a gagné. C'est le monsieur de Jobbing. La personne du Cameroun est là. C'est pas Ali Bongo. Sassou Nguesso. Regarde. Le Cameroun faute. Toi, tu vas faute toi. Tu vas partir. Qui toi, ça qui neige. Avec le ciel. On va te chasser. Ingete, ingete. Regarde le Cameroun sont là. Ali Bongo, t'es malade. Ali Bongo, t'es malade. C'est le modèle, le dialogue, c'est le modèle de la France-Afrique. À chaque fois qu'on tue, ils veulent apaiser pour rester, pour imposer les dictateurs. Ils passent par les opposants, les faux opposants, pour créer un dialogue, pour divertir les gens. Nous sommes fatigués. Nous voulons la démocratie comme tous les peuples. Regardez au Gabon, ce monsieur ne fait que tuer aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième élection qui ne fait que tuer. Nous, on n'avons jamais voté. Au Congo, nous n'avons jamais voté ça. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Les ministres, s'il vous plaît. Je sais que la chaleur est arrivée et que vous êtes suffisamment chaud. Les Panthères sont là? Oui. Est-ce que les Panthères sont là? Oui. Nous continuons le combat. Cette semaine, nous avons la grâce d'avoir parmi nous un autre combattant, un type de combattant ordinaire, mais un combattant très, très brave, parce qu'il fait partie de ceux-là qui combattent, qui ont combattu sur le terrain. Je vous présente ici, qui n'est d'ailleurs plus à présenter, hein, c'est Enrique Mambounou. Bon, déjà, merci. Parce que ce n'est pas, c'est presque inespéré d'être un jour en France quand on combat à Boa. Mon nom, c'est Enrique Mambounou. Je suis fier du combat que je mène au Gabon. Une chose vient de me marquer, on vient de partir de l'espace appelé Trocadéro pour l'ambassade du Gabon sur le palier des droits de l'homme, pour le Trocadéro. Et quand j'ai vu des policiers, je pensais qu'ils devaient être chargés de nous charger. Finalement, ils ont été chargés de nous canaliser jusqu'ici. La seule chose que les Gabonais recherchent, c'est d'avoir une terre sur laquelle, parce que c'est chez eux, ils peuvent avoir le droit de manifester, de marcher, de se déplacer sans que le policier ne devienne le bourreau de celui qui marche. La deuxième chose qui me marque, c'est qu'il y a une chanson que vous entendez, qui dit le jour s'est levé, l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat en prison, on dit comme un soldat d'Israël. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette chanson, c'est certainement la chanson la plus célèbre de la prison centrale de Libreville. Non, mais c'est vrai ensuite, c'est la chanson la plus célèbre. Et ceux qui sont chargés de préparer souvent le spectacle du soir ou du grand matin, c'est des jeunes qui sont dans une zone, dans chaque quartier, il y a une zone qu'on appelle Mangosta. Sur le coin de la prison, évidemment, ce n'est pas une prison comme on l'imaginerait ici. La prison centrale Libreville est un mouroir. Pour ceux qui ont suivi le film de Kuntan Kinte, c'est pire que Kuntan Kinte. Aux racines. Le prisonnier au Gabon dort sur ce qu'on appelle un mandat.
C'est un matelas d'une place. Et vous êtes quatre ou cinq sur le même matelas. L'un met la tête comme ça, l'autre comme ça, l'autre met les pieds comme ça, l'autre la tête comme ça, vous dormez à quatre ou à cinq. Évidemment, il fait très chaud, tout le monde transpire, donc vous êtes totalement collés les uns aux autres. Voici la prison centrale de Libreville. Et d'abord, il est quasiment interdit par le régime de la dictature de faire même une réunion de 200 personnes ou 50 personnes. Vous êtes réprimés, vous êtes frappés, vous êtes tués et vous êtes mis dans les prisons. Je suis heureux de me rendre compte qu'ici, les Gabonais continuent de marcher et de revendiquer légitimement la victoire du peuple. Mais au Gabon, on a pu assister un soir du 31 août 2016, comment à peine 500 mètres de une des plus grandes bases militaires françaises, dans le quartier de Charbonnage, comment une armée dirigée comme chef des opérations par Ali Bongo Ondimba pouvait arriver avec des armes d'assaut, avec hélicoptère, des chiens qui traduisent un QG. Je ne peux pas, il est même difficile de comprendre ce qui s'est passé, mais il n'y a que, même dans le film, vous pouvez tenter de comprendre ce qui est dans un film, mais dans la réalité, c'est horrible. C'est inhumain de voir ceux qui sont payés par notre argent arriver dans un QG de campagne, entrer dans ce QG, assassiner les gens. On a vu des morts tomber parce qu'on pouvait dire à une femme que bon, écoute, on te pardonne, cours. Et quand elle court, le monsieur sort là, mis la balle à la dame. Tu es dans l'immeuble et tu regardes sa distance. Nous avons vécu donc les pires atrocités qu'un peuple pouvait vivre. Je n'aurai pas grand chose à dire parce que je suis plus ému qu'avoir envie de parler. Peut-être qu'il y aura une prochaine fois si en repartant dans le pays qui appartient désormais à lui, je ne suis pas cette fois encore arrêté et mis en prison. Mais comment parler de dialogue avec un individu qui réunit des généraux dans son bureau, qui réunit des spécialistes de la tuerie, qui planifie des jours à l'avance, qu'il faut frapper un QG, dans lequel il n'y a aucun militaire, il n'y a que des civils, essentiellement des jeunes. Le tort de ces populations réunies dans ce QG, c'est de célébrer une victoire, mais surtout de réclamer que la victoire soit respectée. Et on arrive en tête de cortège, bien évidemment, il y en a peut-être qui ne le savent pas, à Ali Bongo, quand vous voyez les voitures. Non, c'est pas le sabotage. C'est fait. Il est sans effet. Mégaphone, s'il vous plaît. Un mégaphone. Pour ça. Faut tout dire. Vas-y. Il y avait des mégaphones là. Cotisons là, pour les billes. Oh. J'arrive. Pour ça. Mégaphone. C'est très faible celui-là, il est très faible. Ne crains pas, ce sont nos mégaphones. Parce que là, c'est déjà faible. Voilà, c'est bon. Donc quand vous voyez le cortège présidentiel arriver avec tous les autres tueurs en veste, en cravate, accompagnant leur chef, vous devez absolument savoir que Ali Bongo est dans le parage et il a exécuté son plan. Je pense même que l'évaluation que nous faisons aujourd'hui, c'est presque une sous-évaluation. Parce qu'on a pris la peine souvent d'évaluer les morts de Libreville. Mais est-ce qu'on peut imaginer combien de Gabonais sont morts à Bitam, à Oyem, à Port-Gentil,
à Tchibanga, à Mouila, à Lambaréni. Là où, jour après jour, les militaires étaient dans les rues et dans les quartiers, repéraient les jeux et les abattaient. Il y a certaines photos, certainement vous avez vu sur les images, il y a des photos que moi j'ai dû prendre, personnellement. Parce qu'il fallait regarder ce qui se passait sur le terrain. Parce qu'on était traqués tous les jours. Et on est arrêtés comme si on était des rats dans notre pays. Avec des centaines de militaires kaoulis. J'espère parce qu'en fait notre combat n'est pas un combat simplement normal. La dictature de Bongo est une dictature d'abord installée grâce à Satan, Lucifer. Ce n'est pas une dictature normale. Donc, nous nous battons aujourd'hui, et si aujourd'hui, moi, personnellement, je peux avoir la chance de me mettre debout là, à Paris, là où il fait froid, au lieu d'être au Gabon, et parler ici, c'est que Dieu a quand même fait quelque chose. Parce que lorsqu'on vous prend, la manière dont on vous prend, la manière dont on vous conduit dans des cellules, dans des sous-sols, excusez-moi, vous savez une seule chose, vous n'allez pas vivre, on va vous tuer, ça c'est clair. Il vous le dit. Nous avons un meilleur soutien, il s'appelle Dieu. Amen. Mais il est important que notre peuple, et c'est un message qui me paraît important, et même dans les causeries que je fais aujourd'hui, jusqu'au QG du président Tipping, je tiens à dire aux Gabonais qu'arrêtons de rêver. Mbappé et Solo Vignel sont derrière en 90. Et nous avons tous cru que comme il est prêt, il va sauver le Gabon. Ça, c'était un mensonge et ça, c'était un mensonge. Pierre Mamoundou, qui avait des discours très éloquents et qui, je suis convaincu, a convaincu toute la diaspora, on était convaincu qu'avec le bon français et les belles rhétoriques, le problème était réglé. Pierre Mamoundou, il faut le dire clairement, a été tué. André Mbaobam est arrivé. On a tous espéré que l'homme qui a fabriqué la machine est déjà dans l'opposition. Il va simplement appuyer un bouton et nous serons libérés. Le bouton n'a jamais été appuyé. Il a été lui aussi assassiné. Aujourd'hui, nous sommes quasiment en train de commettre la même erreur. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Ping n'est pas le Messie. Ping est ce qu'il est parce que nous avons décidé d'en faire un président. Il était simplement candidat. Il n'est devenu important que parce que nous tous nous avons décidé, dans tous les coins du Gabon, jusqu'à l'extérieur, de porter nos voix sur cet homme. De la même façon, nous avons choisi Ping. De la même façon, il est important que l'on maintienne la responsabilité qui est la nôtre, celle du peuple souverain, qui doit comprendre que Ping n'est pas un prophète, que Ping n'est pas un sauveur, le vrai sauveur sur le peuple lui-même, c'est au peuple de s'organiser et de dégager la dictature de la rébellion. Les discours qui consistent à vous dire que Ping est un prophète, je suis désolé de vous le dire, pour ceux que je viens de savoir, Ping n'est pas mon prophète. Parce que dans ce temps, vous allez encore dire quoi? C'est un aveu de faiblesse. Lorsqu'un peuple pense qu'on va se reposer sur un candidat pour accéder à notre libération que nous voulons depuis 50 ans. La libération, c'est à nous de la bâtir. C'est à nous de la construire. Même quand chacun politique aura choisi une autre voie, il faut que le peuple bâtisse sa voie. Il faut que cette voie aboutisse au dégagement des Bongo. C'est la seule voie que nous avons. Il n'y a pas un enfant de Jean Ping qui s'assoit au lycée d'État sur un tronc d'arbre. Ça n'existera jamais, il sera riche à vie. Par contre, le combat que nous menons, en réalité, nous tous aussi, nous nous servons de Ping. Nous nous disons, lui au moins il a les moyens, lui au moins il est capable. Alors accrochons-nous à Ping pour dégager Ali. Mais si nous passons le temps à nous accrocher seulement à Ping, sans que nous n'explorions d'autres pistes, en tant que peuple, pour nous battre contre cette dictature, alors on n'arrivera à rien. Ali Bongo n'est pas au pouvoir parce qu'il est si fort que ça. Moi je ne crois pas à ça. Parce que je suis au Gabon, parce que je sais ce qui se passe, parce que je sais là où on s'est arrêté, le 31. Et je sais à peu près pourquoi on a échoué. Amen. Pour le moment. Yeah. Alors la vérité, c'est qu'en fait, prenons nos responsabilités. Si nous voulons être un peuple souverain,
la souveraineté s'arrache. Ce n'est pas la France qui doit me dire à quel moment je suis indépendant. Ouais, c'est ça, exact. Ce n'est pas la France qui doit me dire qu'il y a un président chez moi. Exact, exact. Donc chaque Gabonais, où qu'il soit au Ghana, qu'il soit dans un village, ce n'est pas le problème. Nous devons être de plus en plus unis. Nous devons coordonner nos efforts. Parce que s'il y a des choses qui sont faites à Paris, et qu'à Libreville, il n'y a pas une coordination, s'il y a ce qui est fait au Ghana, en Afrique du Sud, qu'il n'y a pas de coordination, excusez-moi, nos mains seront vouées à l'échec. Ouais. Aujourd'hui, il faut absolument que l'on se soude davantage mieux, au-delà du lien que nous avons avec les hommes politiques, ouais, qui ont passé le temps à nous trahir. On ne sait jamais de quoi sera fait demain. Le peuple n'a qu'à s'unir à partir d'aujourd'hui, de comprendre qu'il faut définir une stratégie commune du peuple gabonais pour dégager la dictature. Parce que la dictature, elle fait mal depuis 50 ans au Gabon. Je vous remercie beaucoup. Merci. Équipe, équipe, on va donc devoir achever notre soirée, notre journée en tout cas. Il y a encore un petit discours qui va être dit, je crois, par Georges Mpaga. Parce que ce combat, il ne s'arrête pas à nous, il ne s'arrête pas à Jean-Pin, vous avez entendu les témoignages, il s'arrête à chacun de nous et il va se réaliser par chacun de nous. Nous avons donc les institutions internationales qui, à mon sens, aujourd'hui, se jouent de nous, se jouent de notre... Si tu prends patience, parce que c'est ça, de donner ton courtoisie même à la ligne. Mais il va falloir continuer à les titiller. Georges Mpaga a été à nouveau les titiller à Bruxelles. Georges, s'il te plaît. Bonjour, chers compatriotes. Merci beaucoup. Je suis encore très heureux. Tu as pris ça. Très enthousiaste à participer à cette mobilisation. Je vous encourage à davantage amplifier la mobilisation. Ouais. Parce que le peuple qui est confronté aux affres du régime compte beaucoup sur vous. L'apport de la diaspora dans ce processus de libération est important. Les gens, mon frère ici, Mamboundou l'a dit, au Gabon, il n'y a pas de liberté. Bah oui. On n'a pas le droit de manifester au Gabon. Vous manifestez, on tire sur vous. Au Gabon, on kidnappe les gens dans les maisons, les gens disparaissent, il y a des exécutions extrajudiciaires. Les jeunes qui se sont soulevés le 31 août 2016 ont été massacrés. Et moi, j'ai vécu cela dans ma chair. J'ai vécu cela en direct. Personnellement, j'ai été même pris en otage pendant 2 jours. Nuit et jour, les institutions internationales, Ali Moreau aussi envoyé en prison. Donc j'ai eu la chance d'être libéré au bout de 2 jours de kidnapping. Donc nous avons affaire à un criminel. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui n'a pas d'âme. C'est un démon en liberté. À une personne déshumanisée et qui n'a pas hésité à massacrer des jeunes sans armes. Des jeunes qui ne revendiquaient que la liberté. Le peuple gabonais dans sa globalité aspire à la liberté. Mais un groupe de criminels s'est accroché au pouvoir et a maintenu la famille Bongo, représentée par Ali Bongo. Donc nous nous sommes engagés dans un autre combat qui va au-delà de la revendication démocratique. Nous pensons que le volet judiciaire est un volet important parce que pour réaliser son coup de force contre la démocratie, pour réaliser les massacres, pour assassiner des gens, Ali Bongo a été soutenu par des forces obscures. Ali Bongo a été soutenu par des mercenaires français. Oui. Et nous avons décidé de les poursuivre. Nous travaillons bravo dans cette perspective. Bravo. Chiron. Bravo. Il y a Chiron. Celui qui annexe à l'Alexandre. Chiron. Nous allons tout mettre en œuvre, nous allons travailler, nous travaillons avec les différents réseaux, les différents lobbies au niveau international pour que les criminels, les génocidaires qui sont à Libreville, qui s'accrochent au pouvoir, Ali Bongo est un dictateur déchu, mais il s'accroche au pouvoir par la corruption politique.
en achetant les consciences. Par l'argent volé aux Gabonais. Par la liberté volée aux Gabonais. Par les armes, par la terreur, par l'intimidation, par la délation. Et je parle devant témoins. On kidnappe les jeunes, on a kidnappé les jeunes. Les 1100 personnes qui officiellement avaient été prises lors de la répression du 31 août ont été soumises. Ces personnes ont été soumises à des traitements dégradants. Ouais. Il y en a qui ont été violées, il y a des femmes qui ont été violées, mais elles ne peuvent pas témoigner, elles ont honte. Ouais. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires dans les maisons. Robert Sonnet est un exemple, il a été assassiné chez lui. Ah, il y a eu beaucoup d'enlèvements, beaucoup d'assassinats. Et nous ne pouvons pas lâcher cela. Non, Ali, tu vas partir. Mais à Libreville, il y a une conspiration qui a été mise en place par certains fonctionnaires véreux des Nations Unies. Je tiens à le dire. Et nous tenons à les dénoncer. Qui cherche à sauver le criminel Ali Bongo, à camoufler la vérité, à étouffer les enquêtes internationales. Ils veulent cacher la vérité, ils veulent cacher, ils veulent couvrir les crimes. Parce que des mercenaires français sont, ont été impliqués, ont été vus. Ceux qui pilotaient les hélicoptères qui ont bombardé le quartier général. Ouais. Où se trouvaient plus de 1500 personnes, c'est bien des soldats français. Chiron, la garde républicaine, Chiron, qui a massacré les Gabonais, qui Chiron, a réalisé. Les crimes contre l'humanité au Gabon sont des Français, des officiers français qui encadrent la garde républicaine au Gabon. Chiron, c'est une responsabilité dans ce qui s'est passé au Gabon, dans les crimes qui ont été commis au Gabon. Nous allons poursuivre les Bongos, nous allons poursuivre la France. Ouais. Bravo! Et c'est ça le combat de la société civile. Ouais. C'est le combat pour la vérité. C'est le combat pour la justice. C'est le combat contre l'impunité. C'est le combat pour les victimes, pour ces jeunes innocents qui rêvaient d'un Gabon nouveau, qui rêvaient d'un Gabon démocratique, débarrassé de l'obscurantisme à la tête de l'État. Ah. Qui ont été massacrés, ces jeunes. Lâchement. Et tous les jours, je souffre dans mon âme, dans ma conscience, dans les profondeurs de mon âme. Je vois l'image de ce jeune qui est mort parce que il n'a pas été secouru. Ils refusaient, ils empêchaient. Aux secouristes, j'ai dû négocier pour que la Croix-Rouge essaie de faire quelque chose. Beaucoup de jeunes sont morts comme ça pour... On appelle ça non-assistance à personne en danger. Donc c'est un régime criminel. Ali Bongo représente un régime criminel. C'est quelqu'un qui doit être poursuivi. Nous ne le considérons pas comme un président de la République. Nous le considérons comme un usurpateur, un criminel à la tête de l'État qui s'accroche par la violence, par la terreur d'État. Et nous avons décidé de mener ce combat, un combat frontal. Face à Ali Bongo, on mène un combat frontal. La justice va triompher. Nous allons l'attaquer, nous allons attaquer tous les fondements de ce régime. Le régime Bongo va se crouler. J'ai cette foi, j'ai cette certitude. Au nom de Jésus. Conviction. Voilà, donc, je vous encourage, chers compatriotes, à amplifier la mobilisation. J'invite les organisations de la diaspora à se mobiliser avec nous. Demain, dans deux jours, nous aurons une rencontre à La Haye, une rencontre très importante. Nous avons eu deux réunions à Bruxelles. Une réunion au commissariat des Nations Unies chargé des droits humains, des droits de l'homme. Le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons rencontré une séance de travail avec le groupe de travail sur les mercenaires, avec le groupe de, avec les représentants de, du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaire et le rapporteur spécial sur les libertés et les associations. Donc il y a une action importante, il y a eu une opacité, il y a eu confiscation des informations. Les informations données aux Nations Unies à Libreville par la société civile n'ont jamais été remontées au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève.
Donc Genève n'avait aucune information. Nous avons donné toutes les informations. Nous avons mis à la disposition de la communauté internationale. Et je vous invite à amplifier avec nous la mobilisation. Le 20, le 7, nous prévoyons organiser ici à Paris une table ronde sur les violations des droits de l'homme au Gabon. Nous allons vous faire le bilan. Et sur le contenu de nos visites dans les au sein des différentes institutions en charge des droits de l'homme dans la CPI. Donc nous vous ferons passer le communiqué, les invitations et le lieu où se tiendront ces assises. Nous vous invitons à vous mobiliser, à faire déjà passer le message, et nous sortirons de là avec une importante résolution contre les Nations Unies. Parce que c'est l'ONU qui ne joue pas son travail. S'il n'y a pas de... Si les enquêteurs des Nations Unies ne sont pas au Gabon, parce qu'il y a des gens à Yunouka, à Libreville, les gens à Yaoundé, à la représentation régionale, et au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui ne font pas leur job, qui bloquent les informations, qui bloquent les rapports qui ont été fournis par la société civile. Nous devons les dénoncer. À la limite, il faut même aller manifester aux Nations Unies pour interpeller les Nations Unies, parce qu'Ali Bongo est un criminel. Il est hors de question pour nous de cautionner le comportement irresponsable et complice des Nations Unies dans le dossier de l'humanité au Gabon. Les enquêteurs internationaux doivent absolument être sur le terrain d'ici la fin du mois. Et ce défi doit être relevé ensemble. Je vous remercie. Bravo! Merci Jean. Bravo! Équipe! Oh. Équipe! Ah. Alors, cela vous a été annoncé. Oui, alors vous voyez, Sandra, elle est déjà prête pour la collecte des petits fonds qui nous font vivre aussi, parce que vous voyez, la chaleur arrive, donc on va avoir beaucoup soif, on aura besoin d'un peu d'eau. Par conséquent, il nous faut des petites cotisations. Vos petites cotisations, c'est elles qui nous font vivre. C'est grâce à elles qu'on arrive à tenir. Ce que nous ne pouvons pas répondre à quelqu'un qui nous a écrit quelque chose de drôle. Je vais lui répondre. Loïs Fervès, toi tu écris, je dis, hein, vous là, vous avez perdu la tête. Qui peut soutenir des mauvaises personnes mal intentionnées comme vous, hein? Tout ce qui est ensuite, c'est vous. Loïs Fervès, ce n'est pas ton nom déjà. C'est un pseudo que tu t'es choisi parce que tu es lâche. Moi, je m'appelle Suzanne Barra. Je te réponds, toi. Tu es un lâche. Tu n'es rien d'autre. Tu ne vaux rien. À partir du moment que tu prends un nom comme ça, tu ne mets pas ton vrai nom. Tu fais un faux profil pour venir dire n'importe quoi. Tu n'es pas un Gabonais. Tu n'es rien du tout. Tu ne vaux rien du tout. Tes enfants n'ont jamais été tués lors de l'attaque du QG de Jean-Ping par Ali Bongo. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous embrouiller. Je fais ce live parce que des résistants veulent suivre ce qui se passe au Ranlag. Donc, ce n'est pas la peine de venir écrire n'importe quoi. Vous avez choisi d'aller au dialogue de merde. Nous, nous disons non au dialogue du sang. Il n'y aura rien. Nous savons qu'Ali Bongo ne va rien faire. Il ne nous manque rien. C'est seulement... C'est la malgouvernance qu'il a. Ali Bongo va partir. Ne vous inquiétez pas. Dieu va vous fouetter autant que vous êtes. Vous qui êtes des injustes, vous qui êtes des assassins, des sorciers, vous allez tous partir. Ce pouvoir-là ne restera pas à jamais. Il ne va pas rester à jamais. Ce n'est pas la peine de venir nous écrire n'importe quoi. Vous venez nous écrire des bêtises en direct pendant que nous nous parlons des affaires du peuple. Ali Bongo a tué nos enfants. Vous nous écrivez n'importe quoi. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Toi, Loïs Fervex, tu te prends pour qui? Regarde-moi ça. Tu te prends pour qui? Tu penses que ceux qui ont parlé là n'ont pas été au QG? Ils ont été au QG. Vous pensez que nous qui sommes là, nous n'avons pas de victimes dans nos familles? Tu te prends pour qui, toi, Fervex là? C'est pas ton nom, c'est Loïs Fervex. Tu es un faux. Connerie comme ça. Je vais te bloquer et bloquer Loïs Fervex. Vous qui êtes sur Facebook, il faut le bloquer. C'est un démon. Voilà, j'ai fini avec toi. Mais d'abord, on ne peut pas l'installer après des fautes aussi flagrantes. Il fallait que j'aille lui répondre. Je lui ai bien répondu. Oui. Je pense donc que le terme
de notre marche et attend. Nous allons nous rapprocher pour chanter notre hymne. Vous avez perdu la tête. Pour les adhérents au mouvement citoyen de la NELAG, nous allons nous retrouver un peu plus tout à l'heure pour un petit débriefing. Équipe, vous êtes les seuls à savoir. On se rapproche, s'il vous plaît, pour l'hymne national et on va lever. Qui avait voulu ça. C'est un pauvre colin. Loïs maudit. La concorde et la fraternité. Bloqué Loïs Fervex. Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prônent la vertu. Et repousse les armes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Justice. Merci. Voilà. Ne ferme pas le micro là, s'il te plaît. Où sont mes frères? Merci beaucoup, résistante congolaise. Merci beaucoup. Même si vous avez même un malheur qui te roule. Et pitié de nous. Alors, George. Je vous raconte une petite histoire. Hier, George. Soir, pleuvait. J'étais ici avec mon ami Sidonie en espérant voir d'autres combattants venir nous rejoindre. Nous étions là sous la pluie, s'il vous plaît. Sous la pluie. Nous nous sommes mouillés. Nous sommes restés là. On s'est dit, on va rester là pour allumer la flamme. La flamme que nous mettons tous les soirs ici, avec maman Amélie, que nous allumons tous les soirs, afin que tous les résistants viennent nous rejoindre. Nous ne faisons pas semblant, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous demande de nous aider pour faire nos sandwichs, faire nos cafés, c'est pas seulement pour nous, nous le faisons pour tout le monde. Nous faisons ça parce que nous nous disons, nous sommes tous des résistants et si on a envie que tout le monde soit là, qu'on soit tous solidaires, il faut qu'on mette en place un système qui fasse en sorte que les gens puissent rester là même soir. Alors ce système, c'est simple, on ne fait pas avec grand chose, mais du café, du thé, un petit sandwich. Et même si vous ne venez pas avec nous ici toute la nuit, nous sommes là. Donc, je vous demande réellement votre aide, votre participation. C'est ça que nous amuser avec cet argent. Nous avons une comptabilité que nous faisons tous les jours. Non, t'as pas informé. Non, t'as pas. Elle a été aux deux réunions. De toute personne qui veut savoir ce que nous faisons. Elle n'a pas informé qu'il y avait une marche le week-end. En fait, c'est. C'est quelque chose qui a coloré là. Oui, oui. C'est quelque chose qui a coloré un peu plus tard. Donc, c'est coloré. Mais est-ce que les autres sont au courant? Il est où les flyers? Parce que le 8, il y a le truc de Kébissa. Le 8, vous me dites qu'il y a la grande marche. Je ne sais pas, et pourtant je t'ai envoyé le flyer. Tu n'as même pas répondu. De quoi? Je t'ai envoyé le flyer de Kébissa sur le front anti-France CFA. Non, je ne l'ai pas vu. C'est sur quoi? WhatsApp? Moi je te dis sur le partage de la. Je t'ai envoyé le flyer. J'ai pas répondu. T'as pas répondu, c'est irrégulier. Et en plus, regarde comment c'est. Tu as regardé le truc. Regarde. Tu as regardé le truc. Parce que j'ai bien vu que tu as regardé. Et seulement, tu aurais dû me dire que le 8, il y a eu une marche. Non, j'ai pas vraiment fait gaffe. Parce que moi, le WhatsApp, comme ça, je n'aime pas trop. Moi, je peux même aller marcher. Pour ceux
si ta soeur l'a donné, sachez que quand vous donnez, il y a une partie, ça sert à vous offrir un sandwich, une boisson, etc., le café, voilà. Mais aussi, ça permet d'aider par rapport au pancréas, le banderol, voilà, tout ça, c'est un coup. On a un deuxième sommet. Et on est toujours en quête d'un petit groupe électrogène. Mais tu envoies le flyer et on va cotisation. D'accord, je vais le retrouver. Parce que voilà, ton numéro il commence par 07 ou 06. 58. À votre retour. Il y a un 20 à la fin. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Le problème avec WhatsApp, c'est pas pour WhatsApp. Les Africains, c'est la communication. La vie se réjouira. Moi, j'en ai un en particulier. Depuis qu'on a porté plainte à Gemalto, mon téléphone ne fait pas un mois sans être. Donc, ils sont connectés sur ma propre ligne et ça fait tout le temps des dégâts. C'est pas la première fois que j'ai des problèmes de téléphone avec quelqu'un qui me dit « Tu as même lu, tu as tout vu, mais… » Tu vois la tarte. Hein? Et ça fait que je sois